Parler des questions sanctions. Tout ça qui a arrivé là en la pays, question gangsterisation pays, n'est pas arrivé fait sans complicité autorité étatique, sans complicité acteur dans la chaîne pénale là, particulièrement la justice là. Nous-mêmes dans RNDDH, ça n'a pas observé qu'a passé dans le paquet Port-au-Prince, dans quoi des bouquets. Eh bien, c'est des bagages qui nous pas jamais ouais. Côté que, bandits, ils n'ont pas de prison pour eux. Et kidnappés, pas de prison pour eux. Acteurs, pas quittés, depuis qu'ils sont entrés dans la prison, ils ont pris l'argent dans la main, ils ont libéré. N'a pas rappelé, dans la date 10 juin 2022, les gangs dans le village de Dieu ont attaqué par les justices. Je te dis, nous attaquer par les justices, c'est parce que les bandits par nous qui sont en prison, n'a pas les bandits village de Dieu, c'est une déclaration que ça a été fait. Les bandits par nous qui sont en prison, nous payons, on va libérer eux, mais les Genève, ils ont libéré bien vite. Mais pas quand ils font, et c'est ça qui est vrai. Qui conséquence sanction yo une façon durable pour image pays accès impliqué comme responsabilité pour autorité institution haïtienne yo les plus gros représentants élite pays qui en bas accusation grave ça yo qui ça la justice haïtienne doit faire dans cas ça le ministre justice AIA fait déclaration pour dire pas Kaya, Port-au-Prince, pral nouvou yon enquête sou moun yon sanctionné yo, et ben son pot oui, ke ministre l'ouvri pou moun sa yon na pa kaya, jan yon korompi pi fo la den yo, pou yal asele moun yo pou yon fè l'argent avec yo. Si ministre te dit, li pral fè vetting de pa kaya, li pral nouvri yon enquête sou comportement moun yo. Bon, tellement gen scandale tout au niveau paquet na tête paquet pour tête paquet ministre pas même besoin l'ouvrir enquête parce qu'il y a gen des dossiers ou gen plainte. Et si yo te respecté population, si yo t'a fait travail yo, si yo t'a travaillé dans intérêt population, yo t'a changé moun yo pour mettre moun qui là qui appliquer ça la loi dit mais moun qui pas dans connivence avec bandi. Donc jodi an moun sa yo pas capable d'engager aucune poursuite contre moun parce que moun sa yo yo corrompu. Et puis si n'a pas les sanctions pendant y a pas les sanctions et puis c'est même le gouvernement ça qui a alimenté bandi yo dans période coupe du monde là yo a baillé comme avec télévision ou gen CAS là caisse assistance sociale c'est pour Genève et Ariel là. Et gen des moun qui très puissant dans bureau premier ministre qui très puissant et ben qui continuer à utiliser qu'à prendre l'argent trésor public là dans alimenter bandi. Mais c'est moun sa yo pour société à sanctionner. C'est moun sa yo pour la justice engager poursuite contre yo. Mais pour la justice engager poursuite contre yo, nous même dans RNDDH nous mandé pour bon vetting qui fait dans paquet quoi des bouquets avec juridiction pour tout ça passer. Ça qui a passé là, li inacceptable, li révoltant. Nous pas capable encore. Li pas normal pour gang yo aussi puissant comme ça. Pour tout viol ça yo, pour victime yo et puis nous pas capable de voter plainte. Gagner pour pipiti, nous accompagner victime dans attaque, massacre qui fait dans quartier défavorisé, il y a 13 plaintes qui portaient déjà là dans la juridiction Port-au-Prince. Pas aucune poursuite qui est engagée. Rien. Bandio, il fait ça au blé parce que autorité n'a peut-être pas qu'elle yo, yo n'a connivence avec bandit. Y a mangé l'argent kidnapping, y a mangé l'argent bandit et c'est ça que fait bandit yo puissant comme ça. Naturellement, ça va pas dire que nous pas gagner des femmes avec garçons qui honnêtes dans la justice là. Gain qui fait preuve yo. Ça qui là qui n'a peut-être juridiction ça yo, des juridictions ça yo, pas rien qu'on capable faire avec yo. Et si Kounye là, soit disant que yo ta dit pral ouvrir enquête contre moun que yo sanctionné avec moun sa yo, sans pas retirer yo, sans pas gon vetting qui fait, eh ben c'est mandou mande moun sa yo pour y assez les moun sa yo, pour y faire pression sur moun yo pour ba yo l'argent parce que ça gien là dans juridiction Port-au-Prince là et avec quoi des bouquets ou pas ka fan rien là avec yo. Naturellement, c'est pas dit tout moun yo pas bon non, mais faut gon vetting qui fait pour ça qui bon yo pour mettre yo dans environnement pour capable travailler dans appliquer la loi dans protéger la société contre insécurité contre délinquance contre zak banditisme. Tout d'abord faut que nous reconnaître que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans kembe impunité avec corruption dans le pays. La justice là pas jamais mettre bon côté population hein, et
acteurs dans la chaîne pénale là, en général, ils ont toujours une motivation économique, politique qui guide eux dans la décision qu'ils apprennent. C'est pas. C'est pressé pour mettre un centre traitement choléra pour capable sauver la vie monde qui trappé maladie ça. C'est dans la 7e section Tigouave, zone l'effort. Présentation officielle, document plan national, adaptation à changement climatique ailleurs, qui était marqué au journée mondial climat. Il y a une cérémonie qui déroulait en présence Premier ministre Ariel Henry. Outils stratégiques, ça a visé favoriser application efficace plan national d'adaptation politique sur changement climatique qui est adopté depuis l'année 2019. Ariel Henry croit l'important pour réfléchir sur le problème changement climatique là, qui connaît, qui c'est problème tout pays sur planète là. Côté Premier ministre Ariel Henry dans le micro régional de Rémi. Les conséquences dramatiques du réchauffement climatique et la nécessité d'agir avec célérité, justesse et efficacité pour en limiter les effets. C'est donc pour nous en Haïti une date plus que symbolique qui nous donne une occasion supplémentaire pour rappeler à toutes et à tous combien les graves risques environnementaux et climatiques auxquels nous sommes confrontés en tant que petit État insulaire en développement figurent parmi les priorités de mon gouvernement. Dans cette même veine, j'ai le privilège en ce jour de procéder d'une part au lancement du Comité national sur le changement climatique et d'autre part de présenter officiellement le plan national d'adaptation. Ainsi, je voudrais exprimer ma grande satisfaction de voir aboutir le processus de consultation ayant culminé à la constitution du Comité national pour les changements climatiques. Le CNCC est un outil stratégique et décisionnel qui favorisera la mise en œuvre efficace du plan national d'adaptation, mais aussi de la politique nationale sur les changements climatiques adoptée depuis 2019 ou la version révisée en cette année 2022 du document contribution déterminée au niveau national. Ces plans et programmes convergent et se renforcent mutuellement. Ils permettent aussi d'inscrire Haïti dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Le plan national d'adaptation, pour sa part, constitue un cadre global et une référence nationale pour les actions d'adaptation en Haïti. Il est le fruit d'un processus inclusif et participatif, matérialisé par le truchement de consultations de différentes catégories d'acteurs clés à l'échelle des 10 départements du pays et guidé par les connaissances actualisées sur le phénomène des changements climatiques et ses conséquences sur le pays. Le plan national d'adaptation se veut être un cadre global à moyen et long terme sur les 10 prochaines années et couvre prioritairement des secteurs de l'agriculture, de la santé, des infrastructures et des ressources en eau. Je m'en voudrais de ne pas formuler ici une pensée spéciale à l'endroit de toutes celles et de tous ceux ayant produit des réflexions pertinentes qui ont donné naissance au Comité national sur les changements climatiques et au plan national d'adaptation. Leurs contributions techniques et financières trouvent l'expression de ma plus profonde gratitude. Il s'agit en tout état de cause d'une œuvre remarquable qui va aider à prendre des décisions hautement prometteuses. Et je remercie spécialement le Fonds vert pour le climat, le Programme des Nations Unies pour le développement, le NAP global et le gouvernement taïwanais. Mesdames, Messieurs, vous n'avez besoin de discourir longuement pour évoquer les impacts des changements climatiques sur notre pays, déjà en proie à des menaces multidimensionnelles. Les chiffres sont alarmants. Nous rappelons simplement que l'État haïtien se trouve obligé périodiquement de consacrer une forte partie de ses maigres ressources à penser les déchirures environnementales souvent imputables aux catastrophes naturelles occasionnées par les changements climatiques. Ces fonds auraient pu être consacrés à des activités de développement. Je veux renouveler la détermination de mon gouvernement à prendre en considération la problématique des changements climatiques. À cette fin, nous ne ménageons aucun effort en nous ouvrant aux progrès techniques et technologiques réalisés tant localement qu'ailleurs. Le gouvernement, mis à part les problèmes conjoncturels, s'engage à travailler à la restauration de l'environnement et à l'aménagement du territoire. Nous voulons par cette démarche jeter les bases d'une société viable et durable, suivant une vision allant de la montagne à la mer, qui priorise
entre autres la réduction de la vulnérabilité et de la fracture environnementale aggravée par le changement climatique. Tout ceci à partir d'une gouvernance environnementale pragmatique et cohérente. Voilà, au tap côté déclaration, Premier ministre Ariel Henry.